Hey yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Horde de Total War dans lequel nous incarnons le royaume des Odris. Ou Odricia. Nous venions de conquérir Antea et j'avais pris également l'ensemble de la Grèce. Avec hélas la Macédoine. Enfin hélas et la Macédoine. Alors, les provinces d'Hellas et la province de Macédoine. Je la refais pour que ça soit un peu plus compréhensible. J'ai pris à Kink aussi, oui. Oui. Eh bien, non, il y a de la construction. Ah, à mon avis, j'ai dû débloquer le fabricant de trompettes. Ok. Maintenant, la question se pose, où allons-nous? Hein? Où allons-nous? Ah oui, l'élugien. L'élugien, en effet, qui était venu nous... qui sont venus nous embêter. Ouais, écoute, on va se défendre. Hein. Oui, effectivement, peut-être falloir aussi terminer nos actions face au royaume de Tilis. Nos anciens voisins, oui, qui ça s'est bien passé pendant longtemps, mais bon, on va garder une partie de la Thracia. Ce qui ne m'intéresse pas du tout. Faction détruite, les Boyens. Ah, ok. Ouais, voir. Est-ce que je peux recruter des petits agents pour augmenter un petit peu? Pas grand-chose d'intéressant. Hein. Ouais, j'ai rien qui me rapporte. Sur de l'industrie, non, vraiment pas. On va mettre ça. Ça. Oh, et puis ça. Voilà. On va voir comment que ça se passe pas. Ça a l'air de bien se passer jusque là. Est-ce qu'on a une petite vue sur la ville? En effet, on a une petite vue sur la ville. Oh, ça a des troupes légères. Hein. Va pas falloir que je fasse le zinzin. Est-ce que je peux promouvoir des unités? Enfin, des unités des personnages, peut-être? Je peux l'inciter, lui. Voilà. Peut-être même que je vais pouvoir lui donner un rang, bien sûr. Un rang supérieur, une femme aussi. Voilà. Gardons un œil du côté des Aravis quand même. C'est jamais. Et je vais très certainement lever une nouvelle armée et rompre mes alliances avec les Bastards. Je pensais que c'était des frères de sang pendant un moment, mais non, pas du tout en fait. Donc. Donc on ira conquérir leur territoire. Ah, noble lancier. Très bien. C'est mon unité la plus développée, je crois.
Enfin, au corps à corps, hein, je parle bien. Ici, ça donne quoi? Ici, ça donne qu'il meurt pas de faim. Pas de peau. Ah. Et à mon avis, on va même aller affronter la Confédération germanique dans pas si longtemps. Donc cette troupe-là, je vais l'envoyer à Hacking. Là, il s'attaque aux Zanart. Zanart. Ils peuvent être gênants. Hop, je vais rompre mes différents accords. Et tout de suite, ils s'entendent moins bien avec avec leurs voisins. Y a pas photo. Nourri, tiens, je vais faire un accord commercial. Pour l'instant. Okay, on vérifie juste qu'il nous fasse pas de surprise. Là, y a pas grand monde, hein. Il y a vraiment pas grand monde. Attendez, on va l'attaquer ça. Hein? Ils sont pas venus les aider. Non. Non, je refuse d'y croire. Non, ils les ont aidés, c'est juste qu'ils se sont fait poutrer. 5551, ça me va. On va raser. D'ailleurs, on est à combien? 21 colonies, pillées ou rasées. Ok. Non, c'est ça. Hop, 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 voilà. Et Ankira, mais après il devrait. Oh, laisser le seed. Bon. Mon espion chez les Bastarnes, et ce que je vais faire, c'est que là, je vais juste faire une place forte défensive. Que pour venir, soit il passe par bateau, soit il passe par Nicomédia Antaya. La voie la plus facile, c'est Nicomédia et Nicomédia Antaya. Et si je bloque Nicomédia, ils pourront pas venir par la terre. Surtout que Nicomédia est assez facile à défendre. Il y a un port, donc même s'ils font le siège, c'est deux fois plus long. Non, c'est vraiment sympa. Alors, bon, je voulais envoyer mon espionne chez les Bastards. Cependant, eux, ils me saoulent. On va leur voler de la nourriture avant. Alors. Jette et Confédération. Ouais. Voilà. Confédération germanique, on l'a vu venir. Je vais juste bien me défendre. Après c'est les jets qu'on fait les cons là. Ouais. C'est les jets qu'on voulait jouer. On va faire quelques troupes, pas ouf, mais au moins ça fera une dissuasion. Mon espion, ça? Attends, quoi? Oh, y a un truc que j'ai pas capté là. C'est pas le bon agent, j'ai bougé. Ah non, c'est pas du tout le bon agent que j'ai bougé, hein. Je sais pas ce que j'ai foutu. Ce sont des choses qui arrivent. Ma foi. Comment puis-je vous
Je suis un sage de la forêt. Alors, oula, oh, l'ordre public, il y a un petit souci là. On va bouger celui-là. Ah, j'ai un petit souci d'ordre public de type. De type instabilité pour Antea. Ouais. J'ai dû raser un moment la ville. Hop. Hop et hop. Voilà, on est bien. Qu'est-ce qu'il fait, le pont? Sérieux? Pourquoi il y a chez moi? C'est bizarre des fois, faut pas chercher à comprendre. Il a recruté ses unités. Il a recruté de la cavalerie. Ah non. Elle n'est pas encore prête. Les recrutements sont pas encore prêts pour la cavalerie. On va attendre un peu. Oh, il les a revers, là. Ouais. Rome. En mauvaise posture. Bon, un peu comme d'hab. On sait pas comment ils font, au bout d'un moment ils reviennent et ils cassent la goule à leurs ennemis. Ah mais il y a même des Helvètes quoi. Ah ouais. Ah, ça rigole pas ici. Hein. Bon. La Confédération germanique. Ils ont quitté Bellorgis? Attends. Ah mais d'accord. Ah, je crois que ça doit être la Confédération germanique qui s'en est chargée. Attends. C'est ça? C'est possiblement ça. Bah je récupère les pots cassés. Hein. C'est donné si gentiment. Je vais pas dire non. Qui serais-je pour oser dire non à un cadeau aussi généreux quoi? On a encore quelques améliorations qui coûtent une blinde ou deux blindes. Voyons voir. Gien. Ouais, ils ont plus de territoire. D'accord, bah, ils vont peut-être en piquer un autre. Mais ça m'aura permis de prendre du Dorghi, ça. Un bouclier, on va aller prendre le trop d'avant. De non-agression m'intéresse pas. Ah, bah ils sont revenus sur moi. Bah, très bien. Coucou, bah oui mais vous êtes parti qui va à la chasse perd sa place, hein. Bah oui, bien connu. Ok, et non il n'y a pas de qui va à la pêche la repêche. Hein. Mais pas, attends, pourquoi oui. Mon espion qui est peut-être par là, non, je me suis. Ah ouais, non, bah non, bah. Regarde. Juste aller là. Ah, voler un peu de nourriture, et on est très bien. Hein. Regarde. Quelques tours de déplacement avant d'arriver ici. Là, tu peux recruter des troupes fraîches. Non. Et voilà. Donc ça me retient. Faisons un peu plus de nourriture.
Même si je fais ce qu'il faut normalement. C'est le général qui a le moins de sens. Lui, il est bon nulle part, mais correct partout quoi. Cette amélioration n'a aucun sens. La vache. Les constructions, ça y va quand même. Ça coûte une blinde. Hop, toujours pas de cavalerie. Ouais, là, ça meurt de faim. Hein. Meurt de faim et... Attends, pardon, mes troupes, elles passent par là, là. Vous avez une route? Pourquoi? Vous avez une route? Pourquoi ne pas utiliser la route? J'ai du mal à comprendre le... votre raisonnement, les gars. Hein? Ils sont arrivés à y aller? Ah ouais. Oula, oula, j'ai failli faire une bêtise. Par où ils sont passés? Bon. On va emmener la bataille sur le champ. Je pensais y avoir ramené un général aussi. Je sais pas ce que j'ai foutu. Bon. Alors être bon parce qu'on a pas beaucoup d'unités de corps à corps. Hein. Vraiment pas beaucoup d'unités de corps à corps. Donc, eux je les planque là, là. Eux je les fous bien de traviole comme ça. Et eux prêts à... J'hésite. Je vais les faire débarquer. Ah, pourquoi je les ai pas mis à bloquer le terrain? C'est à cause des frondeurs. On va être là les premiers. C'est des navires de combien? C'est des navires de 80. C'est pas beaucoup, hein, 300. Et on a 341. Allez, on se dépêche. Le but va être d'arriver dans leur arrière. On va pas courir. Voilà, libre, ça reste des unités légères. Est-ce que moi c'est de la moyenne hein. C'est vraiment pas terrible non plus. Hein. J'ai pas de... De lance, de pilums ou de projectiles envoyés, ça va être... Là, on va se placer, on n'a pas le choix. On va passer en mode garde là. On aura évité, on va dire, les premiers tirs. C'est plutôt bien. On leur fait de la perte, tant que ça? Ah ouais, on leur a fait perdre tant de troupes que ça. Hop, on va la courir ou... Courir tous ou marcher tous, mais... Il y a à peu près la même... même vitesse SVP. Ah, ils font un bon travail quand même, mes unités de lance projectile. Hein. Un bon gros travail. Bon, par contre... Il est possible qu'elle tire aussi sur mon général, c'est moins sympa.
à leur dire de prioriser des cibles précises. Ouais, ces deux unités là à la poursuite. Ouais, ces deux unités là à l'attaque par derrière. Hop, ces deux unités là tirer sur le général ennemi. Dès qu'elles ont plus de munitions, ce sera corps à corps. Par contre, hop, ça, je retire le mode garde. Les frondeurs. On attaque par derrière. Là le moral il tombe, hein, ils sont attaqués par l'arrière forcément. Après là j'ai pas beaucoup de troupes et c'est de la légère donc vraiment un effet temporaire sur le moral quoi. Là j'ai plus de munitions bientôt. Ouais, plus avoir de munitions ça craint par contre. Surtout que son général il tient toujours debout. Là-bas ça se passe pas ouf parce que là ça court. Là je poursuis, je suis obligé de poursuivre. Hop, toutes les unités sur le général ennemi. Ça devrait pas trop mal se passer. Là-bas ça court. Il est possible qu'on perde hein, en vrai. On va voir ce que ça donne. J'aimerais bien les faire fuir une bonne fois pour toutes. Je sais pas trop ce que ça va donner. On va accélérer. Son général il tient encore debout. On les rattrape sur la gauche petit à petit. Son général il est. Dingue ça. Attends, mais c'est moi il est passé totalement derrière là. Non. Pas du tout. Là on les rattrape. Bon, au bout d'un moment, son général il finira par tomber. Voilà. Là, plus de morale. Bon, je vais faire moite-moite. Hop, sauve-toi. Vous allez tous là-bas. On va en accélérer. Voilà, on va les rattraper. Mettre peut-être une petite salve. On est en supériorité numérique, ça devrait le faire. Voilà. Ici, bon ils vont fuir avant de terminer la bataille. Ok, c'est bon. On aura réussi à s'en sortir. Ah, les unités de ce projectile, mine de rien, qui font un bon travail. Un bon travail. Hop, MRC, quelques esclaves, pour changer un peu. Oula. Oh là là, dis donc, c'est qu'ils envoient du monde là. Ok. Donc on va les défendre, Diadé. Je peux pas. Je suis bloqué par, par ces salopards. Bon, on va faire deux choses, c'est que là je vais aller comme ça. Et là je vais recruter un petit général qui pourra, s'il le veut, recruter des mercenaires rapidement. En cas de besoin. Oh la vache, pourquoi j'ai de la vision jusque là-bas hein. Bon, très bien. Voyons voir les gars. Okay. Ils ont toujours faim, c'est bien. Hop là, ça risque pas grand chose normalement.
sécurité. Pour voir ce que ça va faire. Accords commerciaux, non. Rome est le voisin de Carthage, c'est bizarre. Ah. Ça m'arrange pas spécialement ça. Mais je vais être obligé de les défendre. Ça m'arrange même pas trop du tout. Traité de paix. Ils vont tomber tout seuls, ça devrait être bon. Il y a des... Mais ils réessaient, hein. Bon, c'est quoi? Ah ouais, mais ils risquent de raser s'ils gagnent. Ah, mais j'ai la flemme. C'est quoi, j'ai vraiment la flemme. Dans tous les cas, la ville, elle tombera. Je la... S'il la rase, ben... Tant pis. Ah oui, d'accord. Oh, d'accord. Il la pille une fois et je pense qu'il la rase après, non? C'est un peu un truc comme ça. Ils la font comme moi. Moi, oh, j'avais un édit. Tiens. Hop. Oui. Il me suffit de reprendre la ville. Alors, elle a été uniquement pillée, elle a pas été rasée. J'aime bien. Voilà. Là, on est bien. Là, toujours pas de. Non. Toujours pas de bonne cavalerie, c'est dommage. Ici, il va falloir que je me prépare aussi. Comme. Les Anarthes et les Bastards sont alliés. En allant casser du Bastard, les Anarthes vont se réveiller. Et ça risque d'être un peu embêtant. Alors, je vais voir où est-ce que... Pannonia, je gagne plus. Allez hop. Les 10 passes pour la Pannonia. C'est vrai qu'on a aussi une mauvaise relation avec les Arvernes. Lui, il va aller recruter de la troupe à Sigindun. Et sûrement défendre Apollonia ou un endroit similaire. Tu vas même aller à Segestica. Alors que je recrute. Ouais. Non, toujours pas. Non, mais c'est bien, il est téméraire. C'est une qualité chez certaines personnes. Bon, dans certains contextes, c'est une qualité. Ah, j'aurais pu mettre. Oui. On a l'habitude de dire non parce qu'il me propose toujours des trucs à la con qui n'ont pas de sens. Force diplomatique. Indépendance. Ouais, clairement indépendance. Il y a de la troupe à recruter là. Allez, on va voir. Ah, Macédonia. Qu'est-ce que je vais y faire de Deschamps? Non, ça marche très bien. Là, je peux recruter ma cavalerie. Impeccable. Pas toutes. Si. Je suis de mauvaise foi. Je peux recruter toute ma cavalerie. C'est quoi ça? Oui. Allez, direction les Bastards. Deux tours. On va attendre deux tours. Hein. Quand même, on est pas assez près. Mais tu arrêtes Carthage, c'est bon, j'ai compris. Mais non, combien de fois il va falloir te dire non pour que tu comprennes, hein? En vrai les jets ils sont bien, hein.
Pas chez moi, ils vont attaquer les, la Confédération germanique, ils risquent pas grand-chose. Ah ouais? Oh, ils sont passés. Oh, ils ont fait oh, tout ça. Oh, ils sont motivés, les gars. Ils sont vraiment motivés. Hein, traverser toute la forêt, là, les montagnes. Les montagnes forestières. Ils ont tout donné. Hein. Alors, donc, je disais. Là, j'ai ma troupe complète. Impeccable. J'ai encore deux. On m'a recruté. Là, je vais les envoyer à Yadé. Et eux, je vais les envoyer à Segestica pendant que eux, je les envoie à Kink. Voilà. Ça, c'est de la logistique, ça. Et de la rotation. C'est comme la rotation des cultures. Mais en faisant de la rotation des troupes, des armées. Ah bah ça, et la rotation des armées, ils l'ont compris bien avant. Hein. Les Romains, ils l'utilisaient. Ils l'ont utilisé bientôt. La rotation des cultures, par contre, un peu. Ils n'ont pas compris de suite, hein. Ils sont pas dit, ah ouais, ça marche pour ça, ça pourrait marcher pour... Pour l'agriculture aussi, non, non, ils intéressaient un peu moins, je crois, faction détruite, Chirusque. Ok, j'ai de bons revenus là, 13 000 par tour. Ah, si, beaucoup de cher quand même hein, quand ça tombe. Hein. Mama. Et on fera la cavalerie plus tard. Qu'est-ce qu'ils foutent là, les jettes? Oui, coucou. Les bastards. Non. Franchement, pour ce que c'est. Ouais, plus de bastards. Par contre, je veux bien les envoyer. Lui, je veux bien l'envoyer là. La Confédération germanique a me posé problème. Est-ce qu'ils tiennent ici? Pour l'instant, ça va. Waouh! Waouh! Oh, ils ont pris cher. Oh, Rome, il a pris cher. Bon. Eh ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. J'espère que l'épisode vous aura plu. Moi, je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain. Un grand merci à tous d'avoir suivi cet étiob. Ils sont où les intrus? Oui, ciao.